Venez. Viens, Toutou, viens. Dans son pré, viens, comme toutou, tous viens. Les matins, François Reusgand vient rendre visite toutou, à ses ânes, des baudets du Poitou. Venez. Une histoire venez. D'amour vieille venez, de 30 ans. Venez. D'abord, c'est des animaux du terroir. Bon, ben, moi, je suis Poitevin, et puis d'élever des animaux qui étaient là bien avant moi, ça me fait énormément plaisir. C'est surtout ça, quoi. Curieux et attachant, le baudet et son pelage si particulier font partie intégrante du paysage en Poitou-Charentes. Pourtant, il a bien failli disparaître après avoir connu son apogée au 19e siècle. Le baudet du Poitou, emblématique, parce qu'il était... Il se reproduisait en race pure, mais il se reproduisait aussi avec les juments pour faire cette fameuse mule poitevine, d'où est née l'industrie des mules dans le Poitou-Charentes, quoi. Il s'en est vendu, il s'en est reproduit, je ne sais pas combien de milliers par an, et qui ont été exportés dans le monde entier. Avec la mécanisation, ils ont progressivement déserté les campagnes. Les naissances se font rares, plus qu'une centaine par an. C'est notre devoir de protéger, de les faire reproduire. C'est un patrimoine vivant qu'on essaie de conserver sur notre territoire. À quelques kilomètres de là, à deux pas de l'élevage de moutons de Didier Chambon, des chevaux de Trépoitevin. L'activité principale de la ferme, c'est l'éleveur de moutons. C'est ce qui assure l'équilibre financier de la ferme. Et les chevaux, c'est une passion. C'est bien. Une passion qu'il met au service de la sauvegarde de la race, elle aussi menacée. À peine 60 naissances chaque année, contre 2000 par exemple pour le cheval breton. La faute, là encore, à la motorisation et, d'après l'éleveur, au manque de débouchés. Les autres races, ce qui les a maintenus à un effectif élevé, c'est le débouché viande, alors que nous, notre race n'a aucune valeur à la viande, parce qu'elle n'a jamais été sélectionnée là-dessus. Elle a toujours été sélectionnée pour avoir des grandes carcasses, des grosses pattes, une grosse tête, pour produire des mules. Alors, pour maintenir l'effectif, Didier Chambon fait des croisements, notamment pour éviter les problèmes de consanguinité. Alors ça, c'est Karina. C'est une pouliche qui a 18 mois, un an et demi, et c'est du croisement d'absorption, c'est-à-dire que sa mère est très belge et son père est un Poitevin mulassier. Et pour être sûr que la race mulassier soit fixée, il a été décidé qu'il fallait attendre la quatrième génération pour être considérée comme pure. Pour les valoriser et leur donner une utilité, l'éleveur vend ses chevaux à des particuliers. Marc Étienne, artisan charpentier, a fait l'acquisition de deux d'entre eux. Là, c'est Hermès, un très Poitevin croisé avec un très belge. Et il a 4 ans. Et voici Cassiopée, 9 ans. Ce jour-là, comme 3 fois par semaine, les deux chevaux sont attelés. L'heureux propriétaire peut compter sur l'aide précieuse de Didier. Retraité, rencontré il y a un an. Ensemble, sur les routes de la Vienne, ils s'entraînent pour la route du poisson. Une course de relais d'attelage, en référence au chemin qu'empruntaient les mareyeurs autrefois, pour amener le poisson frais à Paris en 24 heures. Cassiopée, en avant, doucement. Voilà, marche. Bien. Ça retrace un peu ce que nos ancêtres ont fait et puis ça remet beaucoup en valeur le travail des chevaux qui malheureusement est un petit peu dans l'oubli, quoi. Il n'est pas fait que pour être dans un pré et manger l'herbe. Il est aussi fait pour... comme moyen de déplacement pour partir en vacances. Ça permet aussi de resserrer les liens avec les gens qui nous entourent. À gauche. Car bien plus qu'une compétition, ce type d'initiative permet aussi de faire découvrir cette race. C'est pas la première fois quand même qu'on les croise dans le chemin. Un premier pas pour la survie de l'espèce. Il est utilisé maintenant quand même un petit peu pour le maraîchage, mais sinon, au-delà de ça, il n'y aura bientôt plus de chevaux de trait dans nos campagnes et on perdra ce patrimoine vivant. Et moi, ça me tient à cœur de continuer à préserver la race. Allez, trotte Hermès, Cassiopée. Un patrimoine vivant à préserver absolument, c'est le cheval de bataille de ses passionnés. Allez, déterminés à les ramener durablement dans nos villes et nos campagnes. Oh.